Merci d'être venu. Donc moi, je vais vous présenter React.js. Un petit mot sur moi. Je m'appelle Antoine Cellier, je suis développeur et formateur au sein de Zenica Nantes. Juste un petit mot sur Zenica, c'est une société de services. Il y a 6 agences en France et on vient d'en ouvrir une à Singapour. Et on a terminé 4e au Grace Place to Work France. Donc voilà, Zenica, c'est cool. Je bosse principalement sur du front, du Angular et du React. Alors React, c'est quoi? C'est une librairie qui a été créée par Jordan Volk, c'est un ingénieur de chez Facebook. Il a créé ça en 2011 pour des besoins internes en fait. Et ils ont décidé de l'open sourcer en 2013. Actuellement, c'est utilisé en production chez plusieurs gros acteurs du web, donc Facebook, Instagram. L'application web d'Instagram est faite à 100% avec React. Netflix, Yahoo, Airbnb, il y en a d'autres, Sony, Uber, Apple, enfin voilà. Au niveau technique, c'est une librairie orientée composants. Donc si on la compare à Angular, c'est la partie API des directives d'Angular. Donc c'est aussi le V dans le modèle MVC. Et donc React va nous fournir une API simple et concise. C'est-à-dire qu'on va très vite monter en compétence dessus. On comprend très vite ce qu'on fait. Voilà. Je vais peut-être troller un peu Angular, mais si on compare à l'API des directives d'Angular, on a des compiles, post-compiles, pré-compiles, link. Au premier aperçu, on ne sait pas trop ce qu'on fait et c'est pas très accueillant. Là, avec React, on va vraiment comprendre d'emblée ce qu'on fait. Alors, la philosophie de React, c'est que bah, déjà, React seul ne permet pas de créer une application. C'est pas un framework qui est full stack. On ne va pas avoir un routeur, un service animation, un service HTTP. Il va falloir aller chercher des librairies tierces un peu à droite à gauche pour mettre en place une vraie application. React, ça va être formé d'un arbre de composants, notre application. Donc par exemple, on va avoir un composant layout, dans lequel on va avoir un composant header. Ce composant header va avoir des composants onglets. Et en dessous, on va avoir un composant to-do list avec des composants to-do. Voilà, c'est un exemple. Et ça va se baser un peu sur la programmation réactive. Donc, je vous ai fait un petit schéma en dessous. Donc, par exemple, pour nos composants, on va avoir un état d'entrée qui va passer dans une fonction render et ça va générer un markup seulement en fonction de cet état d'entrée. Donc on n'aura pas d'effet de bord. Et si cet état d'entrée est mis à jour, ça va automatiquement réexécuter notre fonction render et remettre à jour notre composant. D'où la notion de réactivité. Bon, on va commencer par le commencement. Un petit hello world à la sauce React. Donc ici, je déclare mon composant hello world, qui étant de react.component, donc pour accéder aux fonctionnalités de React. J'implémente une fonction render qui vient de l'API de React, qui va permettre, en fait, on va retourner dans render ce qui va être rendu dans le DOM. Et là, on retourne quoi? On retourne un react.createElement, donc on va retourner un composant. En premier paramètre, il va y avoir le tag de ce composant, donc ça va être une div. En deuxième paramètre, on va passer un objet qui va être l'ensemble des attributs de ce composant. Et en troisième paramètre, on va pouvoir passer un enfant, ou plus de paramètres, en fait, on va pouvoir passer une infinité d'enfants. Donc en l'occurrence, ça va retourner quoi? Une div avec une classe title, et à l'intérieur, un hello world. Une fois qu'on a fait ça, on fait un React DOM render pour rendre notre composant à l'intérieur de notre DOM. En premier argument, on passe un react.createElementHelloWorld, c'est-à-dire qu'on va instancier notre composant HelloWorld. Et en deuxième argument, on fait un document.getElementById, c'est-à-dire qu'on va définir le point d'entrée de notre application. Le point d'entrée de notre application, ça va être un nœud dans le DOM qui aura un ID root. Autre exemple, donc là on a un composant conférence-list qui va lister des listes de conférences francophones. Donc on a une div, à l'intérieur on a un H2. Dans ce H2, on va avoir un titre, conférence francophone. À l'intérieur de cette div, il y a un autre enfant qui a un UL. Et à l'intérieur de ce UL, on a plusieurs enfants LI. Et chaque LI ont des enfants, en l'occurrence du text content. Donc là, ça va être le nom des conférences. Et là encore, par la suite, on re-rend ce conférence list dans le DOM de notre application. Seulement, on voit que cette manière, c'est super verbeux. Si on code toute notre application comme ça, bon, on n'a pas fini. Ça va devenir immaintenable et ça ne va pas être agréable pour le codeur. Ce qu'a prévu Facebook, c'est d'utiliser le JSX. Le JSX, c'est quoi? C'est une syntaxe déclarative qui va ressembler à du HTML. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du HTML. Quand je vous montrais l'exemple tout à l'heure, vous allez me faire les gros yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va permettre de simplifier l'écriture de composants. C'est-à-dire que dans notre composant, on va écrire notre markup. On va tout de suite savoir ce que notre composant rend. Nos balises vont soit être des tags HTML, soit des React Class, donc soit des composants. Et ça doit être transpilé en JavaScript, c'est-à-dire que dans notre workflow de développement, on va devoir ajouter une phase de transpilation.
Et en gros, ça va transpiler en quoi? Bah, ça va transpiler en React.createElement, etc. Le JSX, concrètement, ça ressemble à ça. C'est pas du HTML. Ça aurait été du HTML, je l'aurais mis dans une chaîne de caractères. C'est vraiment un langage pour mettre en place du markup. À l'inverse d'Angular, Angular a une philosophie où il décide de séparer les langages. On va mettre d'un côté nos contrôleurs, notre directive, donc notre JavaScript. D'un autre côté, on va mettre nos templates, donc notre HTML. Ici, React considère qu'on va séparer nos fonctionnalités. C'est-à-dire que dans un composant, on va avoir directement notre markup et pourquoi pas notre logique métier. Ce qui va faire qu'on va pouvoir le réutiliser à droite, à gauche, seulement avec un seul fichier. Dans le React DOM pour render, là aussi il y a une différence, c'est qu'on va instancier ConferenceList, et comment on va l'instancier? On va le mettre directement dans une balise. Alors, comment React va rendre nos composants à la vue? Enfin, au DOM, pardon. On va utiliser ce qu'on appelle un Virtual DOM. Le Virtual DOM, c'est une implémentation du DOM en JavaScript. Imaginons, je mets à jour mon composant de tout à l'heure, je change la valeur du dernier LI, je change le texte. Mon composant est à jour et je vais envoyer mon composant au DOM virtuel. Le DOM virtuel va faire une diff entre lui-même et le DOM. Et il va faire quoi? Il va calculer la manière la plus optimisée pour mettre à jour le DOM. Une fois qu'il a fait ça, il entre dans une phase de réconciliation. Il va se réconcilier avec le DOM, donc le DOM virtuel et le DOM vont se réconcilier, et ça va mettre à jour le DOM. Pourquoi ce calcul d'optimisation il est fait dans le virtuel DOM? Parce que c'est beaucoup moins coûteux que de le faire dans le vrai DOM. C'est de là où tirent les bonnes performances de React.js en fait, par rapport à Angular. Angular 1. Parce qu'Angular 2, normalement, est plus performant que React. On va aussi bien sûr pouvoir mettre en place des composants dynamiques. Donc on va pouvoir mettre des états dans les composants, des propriétés d'initialisation, et la méthode render va être appelée à chaque changement d'état et propriété. Donc là encore, la notion de réactivité. Donc un petit focus sur les états. Les états ils vont être définis dans le composant, donc ça va être des états internes. Ils vont être mutables, on va pouvoir les modifier. On va y avoir accès à partir de visState. Ils vont être mutables non plus seulement à partir de la fonction setState. Un composant, il va être utile dans quel cas d'utilisation? Par exemple, on a un composant qui a une barre de progression, bah, ça va être le pourcentage de la barre de progression. Pour les propriétés, ça va être différent. Elles vont être passées depuis le parent. Donc, comment je la passe? Donc là, j'ai un exemple avec ConferenceList. J'ai une propriété conférence, en gros c'est un attribut de ma balise, et à l'intérieur je fais égal entre accolade data. Data c'est une variable qui contient une collection d'objets conférence. Entre accolade, en JSX, ça veut dire que je passe une variable directement. J'aurais voulu passer une chaîne de caractères, j'aurais mis entre double quotes, comme du HTML. Pour accéder à cette propriété dans mon composant, je fais vis.props.conférence, vis.props.le nom de ma propriété. Et autre notion, c'est que cette propriété, elle va être immutable. Parce qu'on considère qu'elle vient d'une source extérieure, et la source extérieure est une source de vérité. Donc, on n'a pas à la modifier. Si on la modifie, on va avoir des effets de bord. Si vraiment on veut la modifier, on doit affecter cette propriété à un état. Et là, maintenant, la propriété, enfin, ça va devenir un état, et ça sera modifiable. Autre notion dans React, c'est le cycle de vie d'un composant. Là aussi, ça va être une notion qui va nous permettre d'avoir un contrôle total sur nos composants. Donc, un cycle de vie d'un composant il va être en trois grandes étapes. Le mount, donc ce qui correspond au premier rendu du composant. Le update, donc l'étape qui est appelée à chaque fois que je change les propriétés ou les états de mon composant. Et unmount, quand je désinstancie ou quand je retire mon composant du DOM. Donc, pour la phase mount, on va pouvoir implémenter dans notre composant deux fonctions, plus le render bien sûr. Donc là, je les ai mis dans l'ordre d'exécution. Donc, component build mount. C'est quand le composant n'est pas encore rendu au DOM. Render, donc là on va rendre notre composant au DOM. Et component did mount, c'est une fois que le composant est rendu au DOM. Dans ces fonctions, quand je les implémente dans mon composant, je vais pouvoir faire une liste d'instructions dedans. Par exemple, faire des console log pour m'assurer que mon cycle de vie est bien respecté. Pour la phase d'update, je vais avoir plus de fonctions. Component will receive props, donc quand mon composant va recevoir des nouvelles propriétés, et je vais avoir accès en paramètres aux propriétés mises à jour. Should component update, donc là on va devoir retourner un booléen. Si c'est à true, ça veut dire que j'autorise mon composant à être mis à jour. Si c'est à faux, ça veut dire que mon composant ne doit pas être mis à jour. Et je peux faire des tests parce que je récupère en paramètres les propriétés et les états mis à jour. Component will update, donc c'est juste après should component update, le render et component did update. Donc on va pouvoir accéder aux propriétés précédentes et aux états précédents une fois que mon composant est mis à jour.
Et pour la phase unmount, on a juste component will unmount. Donc c'est quand on détruit un composant du DOM. Ça va servir par exemple si on veut annuler une promesse ou un setTimeout ou des choses comme ça. Ok. Je vais vous faire un petit live coding. On va coder une application. L'application, elle va être toute simple. On va afficher une liste de conférences. On va pouvoir modifier une conférence. Pour ça, je vais coder en ES 2015. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En React. Et pour mettre de la navigation dans l'application, je vais utiliser la librairie tierce React Router. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'arbres de composants. Voilà à quoi va ressembler notre application. On va avoir un composant routeur qui va englober toute notre application. On va avoir un composant layout. Dans ce layout, on va avoir un composant header. Et selon l'état de la navigation, on va soit avoir un composant conférence list qui va être instancié. Dans ce composant conférence list, on va avoir des composants conférence. Ou sinon, on va avoir un composant conférence form qui va permettre de modifier une conférence. Je vais vous montrer tout de suite à quoi on devrait arriver normalement. Donc on a une liste de conférences. Pour chaque conférence, on a son titre et sa description, tout simplement. On a un petit bouton là, ici, hop, qui nous redirige vers un formulaire d'édition. Et on va devoir pouvoir modifier normalement. Si je fais ça, et je retourne ici, j'ai bien un E à Luxembourg. OK? Alors c'est parti. Alors, actuellement, on a quoi dans notre application? Tac, si je fais ça, on a juste un Hello Voxid. Donc j'ai un fichier app.js qui va servir de point d'entrée de mes fichiers JavaScript. Donc à l'intérieur, je fais un React DOM.render de ma div Hello Voxid. Donc c'est bien ce que j'ai. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va créer notre composant routeur, parce que c'est celui qui va englober toute notre application. Donc je vais importer des composants de la librairie tierce React Router. J'importe le composant routeur. Route qui va me permettre de déclarer des routes et index route pour déclarer des routes par défaut. Ensuite, je vais déclarer mes routes. Donc pour ça, là, j'utilise le JSX. Hop. Pour le chemin slash, je lui dis, tu vas instancier le composant layout. Ok, si on vient ici, on voit qu'on a le routeur, ensuite on a le layout. Dans ce layout, on va pouvoir lui préciser des enfants. Donc, je vais lui préciser un premier enfant qui va être l'index route, c'est-à-dire que ça va être le composant enfant qui va être instancié par défaut quand on va être sur le chemin slash. Et ce composant, ça va être mon component conférence liste. Ok. Maintenant, il faut que j'importe mes différents composants. Je vais importer le layout. Voilà, layout. Et je vais importer conférence liste. From conférence liste. Ok. On va regarder ce que j'ai dans layout. Dans layout, j'ai plusieurs divs imbriqués. Et je vous ai dit que tout à l'heure, donc mon layout doit pouvoir avoir des enfants. Pour accéder à ces enfants, je vais tout simplement faire un this.props.children. Donc on va avoir accès aux propriétés enfants. Les propriétés enfants, ça va être l'instanciation des composants enfants. Donc en l'occurrence, ça va être conférence liste. Et sur conférence liste, pour le moment, j'ai une div. J'ai rien, je vais faire un hello pour faire un test. Se mettre à jour. Ah, j'ai oublié de faire. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de rendre le routeur comme point d'entrée à mon application. Je fais routeur, je passe une propriété qui vont être ces routes, et je l'affecte à la variable que j'ai définie précédemment. Donc là, on voit bien qu'on a hello. Ce qu'on a aussi dans notre arbre de composants, c'est un header. Donc le header, il est ici. C'est juste un menu pour notre application. Donc je vais le mettre dans layout ici.
Donc, je vais l'importer. Je fais import de header from le fichier header. OK. Et je vais l'instancier dans le markup de mon composant. On voit bien que maintenant, j'ai un header. OK. Maintenant, ce que je veux faire, c'est avoir plusieurs composants conférences dans ma conférence liste. Ces composants conférences, donc c'est des modales, dedans on a un titre et une description. Donc plus on voit que c'est des données statiques. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut récupérer des données depuis un serveur. Donc en l'occurrence, derrière j'ai un service REST qui tourne. Donc ce que je vais faire, c'est que dans conférence list, dans le component didMount, donc une fois que mon composant a bien été rendu une première fois, je vais faire un appel au serveur REST. Je vais faire un fetch vers REST conférence. Ok, il faut que je passe un header. Je vais lui dire qu'il accepte le JSON. Ensuite, on fait un zen, on récupère la réponse. Hop, et on la récupère en JSON. Une fois que j'ai récupéré mon JSON, en fait, je vais faire un vis.setState. Je vais mettre à jour l'état de mon composant avec la collection conférence que j'ai récupérée depuis le serveur. Donc conférence qui vaut les données que je récupère depuis le serveur. Juste fetch, c'est une fonctionnalité ES6. Ça s'apparente un peu au XML HTTP request. Voilà. Mais il y a quelques notions différentes. Ce que j'ai oublié de faire ici, c'est d'initialiser mon état. State. Hop. Conférence. Et quand on initialise, c'est un tableau vide. Ensuite, dans mon render, je vais vouloir rendre les différents composants conférence par rapport aux données que j'ai récupérées. Donc pour ça, je fais const, je vais l'appeler, j'ai pas d'idée, data, allez, hop, vis.state.conference, je vais mapper mes conférences, et ensuite, pour chaque conférence, je vais retourner une instanciation de mon composant conférence. Et dedans, je vais lui passer en attribut son titre et sa description. C.title description est égal C.description. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir directement afficher mon tableau de composants conférence dans le JSX. En fait, il va voir que c'est un tableau de tag JSX et il va se dire ok, donc c'est X enfants. Donc là, en l'occurrence, ça va être X enfants de mon nœud div. Si on retourne ici, j'ai pas importé le composant conférence. Donc il le trouve pas. Oui. Ouais, ah ouais, ok. Si je fais ça, ça va mieux ou pas? Je regarde. Est-ce que quelqu'un connaît bien un tome? Référence, je peux observer. Thème. Forcément, ok. Ouais, ça. Du coup, on va mettre Atom Light. C'est mieux là ou pas?
Super. Ok, donc du coup, j'importe mon composant conférence de mon fichier conférence. Hop. Et si je mets à jour. Donc là, on voit bien que j'ai mes 5 composants conférence. Bien sûr, je n'ai pas mes données en dynamique parce que je ne les ai toujours pas modifiées sur mon composant conférence. Donc ce que je vais faire, dans mon composant conférence, je vais récupérer, donc on voit que je les ai passées ici, j'ai passé des propriétés. Donc une propriété title, une propriété description. Donc je vais pouvoir les récupérer dans mon composant conférence. Donc ici, ce que je vais faire const title est égal vis.props.title. Si elle est passée, sinon, une chaîne de caractères. Non, j'ai pas besoin de faire ça en fait. Hop, passer directement ici. Vis.props.title. Et pour description, vis.props.description. Si je mets ça à jour, on voit bien que j'ai mes données dynamiques que j'ai récupérées depuis mon serveur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le formulaire d'édition. Donc ici, dans notre objet conférence, on a ce petit logo-là qui va permettre de naviguer vers le formulaire d'édition. Donc on va importer depuis React Router un composant link qui va permettre de mettre à jour l'état de notre navigation dans notre application. Donc j'importe link de React Router. Et ensuite, à la place du ahref, je mets un link to. Dans l'occurrence, ça va être to slash edit slash. Donc là, ce qu'on veut ici, c'est le paramètre ID. OK? Hop. Cette route-là, on ne l'a pas encore gérée, donc on va l'ajouter dans le routeur. On va faire route, passe. Est égal slash edit slash ID. Le composant qu'il va falloir instancier quand on sera sur cette route, ça va être form conférence. Et je vais importer mon composant form conférence. Ça c'est bon. Donc, ensuite je retourne sur mon objet conférence et du coup je vais pouvoir passer le paramètre ID. Le paramètre ID, j'y ai accès comment? J'ai accès à partir de la propriété visprops.id. Et non, j'ai pas accès parce que je l'ai pas passé là. Donc ID est égal c.id. Du coup, si je fais ça fonctionne pas. Did not match any route. Ah, exactement. Merci, merci. Hop. Si je fais ça, j'accède bien à mon formulaire. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux remplir mon formulaire à partir de données que je peux récupérer sur le serveur. Je vais dans Form Conférence, dans Component DinMount, je vais refaire un fetch. Hop. Tac. Et je vais passer un paramètre ici qui sera visprops.params.id. Visprops.params, c'est les paramètres que je passe dans ma route en fait. Là, je récupère mon objet conférence, il faut que j'initialise ici vis.state est égal conférence. Ok, et pour le moment, c'est un objet vide. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ici, vu qu'au premier rendu, je n'aurai pas encore mes données, parce que je fais le fetch une fois que mon composant a été rendu une première fois, je dois faire des vérifications. J'initialise ma variable title, je fais if vis.props.conference.title
je la retourne. Sinon, je retourne une chaîne de caractères vide. Je fais la même chose pour description. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ma valeur de mes champs vont être égales à title et description que j'ai déclaré plus haut. Pour le champ title, ça va être title. Pour le champ description, ça va être description. Title undefined, c'est pas propre, c'est state. Ok. Donc là, on voit bien que j'ai mes deux champs pré-remplis. Seulement, là, si je tape sur mon clavier, je tape vraiment sur mon clavier, c'est pas comme Angular, c'est pas magique. On n'a pas directement du double binding. En fait, on a mappé la valeur de nos inputs sur le state. Donc on va devoir gérer la mise à jour du state dans l'input. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'événement HTML5 onChange, et dedans on va faire vis.onTitleDate.bindVis. Je vais vous expliquer pourquoi je fais le bind de vis. Cette fonction-là, je vais la déclarer dans mon composant. Elle prendra en paramètre un event. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais faire un vis.setState. Je vais mettre à jour mon objet conférence par rapport au titre que j'ai mis à jour sur l'input. Donc conférence, deux points, object assign, hop, hop, de vis.state.conférence. Conférence. Ok. Et ça, cet objet-là, je vais le merger avec title.conférence. Target.value. Si je mets ça à jour, on voit bien que là ça fonctionne. Si je le fais sur description, ça fonctionne pas. Ok, je continue pas sur le formulaire parce que je me rends compte que j'aurai plus beaucoup de temps après. Donc voilà, donc on se rend compte qu'on doit vraiment avoir on a une totale maîtrise sur ces composants, mais par contre on peut avoir parfois aussi l'impression de réinventer la roue. Pour ce genre d'application, typiquement React, son point faible, c'est les formulaires, clairement. Même en librairie tierce, enfin, moi, je n'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait, quoi. J'avais vraiment l'impression de réinventer la roue à chaque fois. Par contre, si vous avez une application qui affiche des métriques avec des dashboards dans tous les sens, là, c'est super intéressant. Voilà. Donc, je continue. Alors... là, on a codé une petite application, mais on voit qu'on n'a pas vraiment mis d'architecture en place. Ce que préconise Facebook, ce qu'ils utilisent eux en production sur leur application côté client, c'est l'architecture en flux. L'architecture en flux, ça va répondre à quel genre de problématique. Par exemple, si on prend le MVC, on va avoir du binding entre le modèle, le contrôleur, donc on va avoir un flow bidirectionnel. On va avoir du binding entre le contrôleur et la vue. On va avoir aussi du binding bidirectionnel. Et dans ce binding, on ne va pas forcément le contrôler. Des fois, ça va se mettre à jour dans tous les sens, on va se demander pourquoi. L'avantage de l'architecture en flux, c'est que ça va être un flow unidirectionnel. C'est-à-dire qu'on va avoir un contrôle total sur toute notre logique métier, et sur toute la circulation de notre logique métier dans notre application. Ça va être structuré en trois composants. Donc là, ce n'est pas des composants en sens React, hein, ça va être des couches d'architecture. On va avoir le dispatcher qui va propager des actions. Une action, ça va être quoi? Ça va être par exemple un clic utilisateur. On va avoir le store qui va pouvoir implémenter la logique métier de notre application. Quand je dis la logique métier, ce n'est pas seulement des objets du domaine. Ça peut être aussi l'état d'un bouton, voir si un volet est plié ou déplié. Et les vues, qui vont là être des composants React, qui vont réagir au changement d'état du store. Avec un schéma, donc là on va avoir des actions. Par exemple, j'ai une action addConference. Cette action, ça va être un objet. On va avoir un attribut name qui va être addConference. On va avoir un attribut payload qui va être les données que l'action embarque. Cette action elle va passer dans les dispatchers et le dispatcher va envoyer cette action à tous les stores. Les stores vont prendre cette action et vont se dire cette action je la veux ou je la veux pas. Par exemple, je vais avoir un store conférence, je vais avoir un store speaker. Bah, typiquement, l'action add conférence, le store speaker, il s'en fout. Donc le store conférence va la prendre, il va faire un traitement dessus. Et ce traitement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un push sur notre collection de conférences déjà existantes. Okay. Une fois qu'il a fait ce traitement-là,
le store va émettre un changement aux vues qui se sont abonnées à son store. Les vues, quand on va les initialiser, on va pouvoir leur dire « tu t'abonnes à un store ». Et dès que le store va être mis à jour, elles vont être informées. Je ne vous cache pas que quand on commence à faire du flux, il faut vraiment se retourner le cerveau. C'est pas évident à appréhender. Donc je vais vous montrer du code, ce sera plus simple. Donc là par exemple, dans mon composant conférence list, ici avant j'avais mon fetch pour récupérer ma liste de conférences sur mon serveur. Ici je fais un conférence store.addListener, donc j'écoute mon listener, et à chaque fois que mon listener est mis à jour, je fais un visOnUpdate, donc j'exécute la fonction visOnUpdate. Cette fonction visOnUpdate elle fait quoi? Elle fait un vis.setState, donc on va mettre à jour l'état, en l'occurrence les conférences, avec les conférences présentes dans le store. Donc le getConférence me retourne une collection d'objets conférences. Si on revient ici, en dessous du addListener, je fais quoi? Je fais un conférenceAction.loadConférence. J'exécute une action. L'action loadConférence, elle va faire quoi? Elle va aller rechercher sur mon service REST mes données. Si je vais ici, on voit mon action loadConférence. Donc je fais un fetch, comme tout à l'heure. ZenResponse. Là, j'ai mon JSON qui est retourné. Et je fais un dispatcher.dispatch, donc je dispatch mon action à tous mes stores. Dans ce dispatcher, je vais avoir quoi? Je vais avoir le nom de l'action, load conférence, et son payload. Son payload, ça va être les données que j'ai récupérées côté serveur. Si je vais dans mon store, conférence, donc ici je fais create a store, donc c'est une abstraction du store. J'ai le nom de mon store, et je vais pouvoir lui déclarer des fonctions et des attributs. Donc j'ai une attribut getConférence qui va retourner l'ensemble de mes conférences, getConférence qui prend en paramètre un ID qui va permettre de me retourner une seule conférence, et on va pouvoir définir d'autres données de mon métier. Et ensuite, je vais avoir un attribut action dans lequel je vais lister la liste des actions que mon store accepte. Mon store, il accepte une seule action, c'est loadConférence. Quand cette action loadConférence arrive, il va exécuter la fonction loadConférence qui est ici, qui va prendre en paramètre les données. Nos données, ça va être les payloads qui vont être dans notre action. Et ces données, on va les affecter à notre variable conférence. Une fois que c'est fait, on fait un conférence-store.emittedChange. Ce emittedChange va informer ma vue que le store a été mis à jour. Ça va? Pas de questions? Comment? Tu peux l'ajouter comme tu veux. Enfin, moi, je l'ai pas pris en compte, mais là, ce que tu aurais pu faire dans Action, c'est faire un callback d'erreur. Après, au niveau des formulaires, si on parle de gestion d'erreur, par exemple, si tu vas avoir de la gestion d'erreur à la volée, c'est-à-dire que dès que tu saisis, tu as une erreur directement, ça va être géré dans le composant directement, en fait. Parce que ça va être un comportement interne du composant. Ok, plus de 12 minutes. Donc ça, c'est pour l'architecture en flux. Il y a pas mal d'implémentations. Moi, celle que j'ai utilisée, là, c'est l'implème de Facebook. Après, on a Fluxy, Reflux, Redux. Je vous conseille de regarder, ça, c'est intéressant. Et c'est la plus populaire. Mais je pense que c'est quand même intéressant de commencer par flux. Enfin, l'implème de flux de Facebook. Au niveau de l'écosystème, on a pas mal d'émulations autour de React. Il y a beaucoup de librairies tierces qui sont créées. Donc on a flux, on a React Router que je vous ai montré. React DevTools qui va permettre de faire du débugage de composants directement sur le navigateur, c'est-à-dire que c'est un peu comme le bâtard d'Angular, on va inspecter un composant, on va avoir accès à ses états et ses propriétés directement. React D3 pour faire des graphes, matériel pour faire du material design, Radium, React Canvas pour faire du Canvas, GraphQL c'est une spec pour faire du data fetching côté client, ça c'est intéressant aussi. Relay c'est une implémentation de GraphQL côté client et côté serveur, et React Native. React Native, ça va permettre de faire des applications natives en JavaScript. Donc je l'ai mis en noir parce qu'on va faire un petit focus dessus pour finir. Juste avant, un petit état de l'art pour créer des applications mobiles. Donc là, j'ai listé trois manières de faire, il y en a sûrement plus. On fait directement du native, on code avec les SDK Android, Objective-C, Swift. On peut faire du cross-compilation, on code en un langage, on compile pour des applications, pour des systèmes d'exploitation à droite à gauche. Et du web cross-platform, on utilise du HTML, du CSS, du JavaScript, on package ça dans du Cordova, et on peut aussi l'envoyer à droite à gauche.
React Native utilise ce qu'on appelle du JavaScript Runtime. C'est-à-dire qu'on va avoir un thread principal qui va correspondre au thread natif du mobile. On va avoir la création d'une machine virtuelle qui va être un thread séparé. Et ces deux threads vont communiquer via un bridge. Ok? Quand on va coder du React Native sans JavaScript, mais c'est du natif derrière. Donc c'est pas comme un page Cordova où on fait des WebView et du DOM. Parce qu'un page Cordova, on code en JavaScript. D'ailleurs, c'est packagé, mais ça a la même gueule qu'une application web en fait. On n'a pas des composants natifs. Donc React Native, c'est en bêta depuis septembre 2015. Donc Learn Once, Write Anywhere. C'est-à-dire qu'on l'apprend une fois, mais il faut le coder plusieurs fois. Si on veut faire une application à la fois pour iOS, à la fois pour Android, il faut leur coder deux applications différentes, à l'inverse d'Apache Cordova. Pourquoi? Parce qu'on a des composants spécifiques à iOS et spécifiques à Android. C'est le cas des composants navigateurs, par exemple. On a aussi des composants en commun. Par exemple, des composants pour faire du texte, pour faire de l'input, pour faire de la view, des choses comme ça. Au niveau du workflow, c'est ce qui est le plus impressionnant. Donc, on code seulement en JavaScript, en ES 2015. On va pouvoir débugger sous Chrome notre application. Notre application, elle va être lancée sur un émulateur. On va avoir du hot reload sur l'émulateur, tout en codant par exemple sous Atom. Et on va avoir les stacks d'erreurs directement sur l'émulateur. Comment ça fonctionne? Par exemple, on bootstrap une application, on fait React Native Bootstrap, ou je ne sais plus trop le nom de la commande. Ça va nous monter un projet, avec d'un côté notre partie JavaScript, d'un autre côté notre application native. Donc, par exemple, si on fait du Android, on va avoir le Main Activity comme une application Android classique. Dans le Main Activity, on va charger notre bundle JavaScript. Quand on va coder, en fait, on va monter un serveur Node.js qui va communiquer via WebSocket avec l'émulateur. Ce serveur Node.js va détecter les changements de notre code source et va mettre à jour directement notre application native. Quand on l'utilise, on se dit waouh, c'est vraiment impressionnant. Donc on a vraiment pas de phase de recompilation en fait. Concrètement, ça ressemble à quoi? On dirait du React, on sait du React, mais c'est pas du React.js. On déclare notre composant, on l'étend de component pour avoir accès aux fonctionnalités de React Native. On a aussi des états, on initialise des états. On a accès au cycle de vie d'un composant, donc là en l'occurrence shoot component update. On a accès au render, donc le render pareil c'est ce qui va être retourné pour notre vue, non pas pour notre DOM, mais pour notre vue native. La seule différence, c'est qu'au niveau du JSX, c'est pas des tags HTML, c'est réellement des composants natifs. Donc c'est vraiment un composant view, text, thisView. On va pouvoir aussi avoir du style. Le style, comment il est géré? Avec une implémentation en JavaScript du CSS. Pareil, on ne fait pas du web, on ne peut pas faire directement du CSS. Donc ce qu'a fait React Native et Facebook, c'est qu'ils ont implémenté du CSS en JavaScript pour que le développeur web puisse coder du natif, sans avoir à réapprendre des choses. C'est tout pour moi. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Personne? Ouais. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, typiquement, moi, chez mon client, là, je bosse sur un socle de données techniques. On n'a que des formulaires. Concrètement, il ne faut pas faire du React. Parce que tu vas te prendre le chou. Angular, tu as directement du double binding, c'est assez magique. T'as des directives comme ng-message qui peuvent mettre en place des choses, tu peux mettre en place des choses rapidement. React, c'est plutôt par exemple comme j'ai dit tout à l'heure, t'as des dashboards de métriques, tu vas avoir une interface assez réactive ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment intéressant. Voilà. Plus d'autres questions? Merci.